Salut la gang, donc Miguel, on est le vendredi 20 janvier, il est 6h47 minutes. Donc cette petite vidéo là, c'est vraiment une petite vidéo personnelle, c'est une petite gazette que je me fais. Donc ma blonde est partie se faire dorloter. Elle devrait être de retour dorloter, je veux dire, elle fait des petits soins corporels, elle est partie là, j'y ai payé ça. Elle va revenir après vers 7h15, c'était les 20. Puis j'ai préparé une petite surprise. Donc, quand elle va arriver à la maison, elle pense qu'on va rester à la maison toute seule, relax, le kit. Mais c'est pas vrai, on est 50 dans la maison. Puis, surprise party, c'est mon frère, ça part. Donc, j'ai réservé un de ses meilleurs restaurants qu'elle aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le restaurant Maggia, dans le vieux Longueuil. Celui qui aime la fine cuisine italienne, c'est la place à aller. C'est écœurant. Les pâtes, la pizza, le poulet, c'est fou comme restaurant. Puis c'est assez abordable comme prix. Donc, c'est ça. Parce que moi, je suis pas un gars superstitieux, mais je lis mon horoscope à tous les matins quand je vais au gym. Puis, à matin, j'ai lu dans mon horoscope qui disait, dans la section amour et santé, prenez soin de votre douce, gâtez-les ce week-end, vous serez récompensé. Donc, ce que j'ai fait, je suis mon horoscope du week-end. J'ai réservé son petit restaurant préféré. On a réservé une table pour deux dans le coin, pas loin du petit foyer, avec une belle bouteille de vin. Et je l'emmène là. Puis, parce qu'on travaille super fort. Donc, je travaille toute la semaine. On travaille au froid, t'inquiète. Elle travaille quasiment 50 heures semaine. Puis je pense qu'il faut prendre le temps de se gâter. Prendre soin de nos proches, prendre soin de notre famille, prendre du temps avec les gens qu'on aime. Puis c'est là-dessus ma vertu qu'en 2012, c'est vraiment que oui, je prends soin de moi, je vais au gym à tous les matins, puis je prends soin de mon body, mon corps, c'est quelque chose pour le garder en santé, pour ma business, puis pour mes rôles, mes trucs qui sont mis en 2012. Mais il faut vraiment prendre le temps de prendre soin de nos gens, nos proches, nos amis, notre famille, t'inquiète. Puis quand on a 5 minutes, une demi-heure, une heure à consacrer à ces gens-là, faut le faire. Donc, ma vertu en 2012, c'est vraiment de profiter de la vie et ne le laisser jamais profiter de vous. Quand je dis ne laisser jamais la vie profiter de vous, je veux dire que dans la vie, il arrive plein de patentes, plein de trucs pour nous faire rabaisser, comme je dis dans mes petites vidéos dernièrement, avec des gens qu'on rencontre qui nous mettent mal à l'aise, qui nous font en sorte de nous rabaisser. Donc, mais wastez-les, ces gens-là. Enlevez-les de votre vie ou carrément confrontez-les et dites-leur vraiment votre façon de penser. Donc, c'est ça. Donc, leçon de vie 101, partie 7. Prenez soin de vos proches, aimez-les et profitez de la vie. Ne les laissez jamais profiter de vous. Miguel de No Limits. Bon week-end, la gang. Have fun. Rock and roll.